Dis-moi, quand on quitte l'école, et qui va travailler, qui on fait? Alors, quand on quitte l'école, on a l'université, on fait un degré en agriculture. Et après, on travaille pour une compagnie qui appartient à Highlands pendant 25 ans. Et après, quand on est fermé, on a travaillé pour World Tropicals qui est Baliton, comme agronome production manager. Et après 5 ans, mais comme on reste un petit peu loin, donc c'est difficile pour moi, ça a été très fatigant pour moi, pour faire le trajet tous les jours. Donc là, mon arrêt de travail. Et à ce moment-là, mon capable faire ce que j'ai envie de faire depuis avant, et mon prend la poterie comme passe-temps. Toi, tu dis l'agronome vient faire la poterie. Est-ce que cette transition-là est facile pour vous? Bah, il est toujours dans la terre. On est toujours reste dans la terre. Et oui, c'est facile pour moi parce que on quitte une affaire qui m'a content, mais on a fait une autre affaire qui m'a aussi content. Donc, les parties ont un problème pour moi. Il passe très bien. Oui. Et donc, on prend des cours de poterie et après, on trouve qui m'a capable de faire avec la poterie, avec l'argile. Et donc, on spécialise moi faire un ustensile de cuisine qui est capable de mettre l'eau four, dans le four, au chien barbecue. Au commencement ou carrière comme agronome, où tu trouves un jour pour quitter agronome et pour venir faire poterie? Non. Moi, je pensais que moi pour rester dans l'agriculture avec les plantes et tout, bon, pendant plus longtemps. Mais le problème, c'est que mon travail est un petit peu trop loin avec mon local. Donc, mon petit bizarre, il devient fatigant, ou pas sentir bien, ou bien voyager tous les jours, des heures dans par jour. Donc, il devient un peu difficile pour ça. Quand on rentre la case, là où on occupe la case, on occupe des enfants, donc il est difficile. Donc, mon rôle d'affaires qui m'ont pour capable, plus occupe mes enfants, occupe mon case et aussi faire quelque chose qui intéresse moi. Poterie, c'est déjà intéressant depuis longtemps, mais mon petit gars a mis l'occasion d'apprendre et faire. Et donc, là, quand mon gars est temps, on lance moi. Une fois qu'on commence les cours, on trouve lui bien intéressant et on trouve qu'il y en a beaucoup de possibilités. Et aussi, moi, je fais rôde un ustensile de cuisine, faire en terre cuite. Parce que aussi, je suis content la cuisine. Donc, comme terre cuite, c'est un. Des ustensiles en terre cuite, c'est un ustensile très, très intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de bénéfices dedans, quand on cuit là-dedans. Pour mon gars, il m'a un ustensile, mon frère. C'est facile pour trouver ou la terre pour faire. Raconte-moi un peu les procédures, madame. Alors, c'est un ustensile assez spécialisé, c'est un ustensile que vous pouvez pas mettre au gaz, que vous pouvez pas mettre dans le four, ou bien vous pouvez mettre au barbecue. Donc, une bien rodante la terre spéciale qui est capable de tenir cette température là. Donc, il fait un peu de recherche, il contacte beaucoup de suppliers. Et jusqu'à ce qu'ils me donnent moi la terre qui m'a besoin pour faire ce travail-là. Et bon, maintenant, c'est la terre qui, quand nous cuisons, nous a jusqu'à 1000 degrés. Quand nous mettons le four ou plaque à gaz et tout, il tenir une température jusqu'à 300, 350 degrés sans problème. Dis-moi, combien de temps il prend pour faire les cuissons dans les fours? Alors, cuisson dans le four même, il prend 12 heures de temps.
parce que au commencer ou à l'imoufoua les monter par palier. Donc il arrive 100 degrés, il garde le 100 degrés. Après il recommence à monter, il arrive disons 300 degrés, il fait énergie dans le 300 degrés et après ainsi de suite jusqu'à qu'il arrive 1000. Et après, quand il arrive 1000, faut atteindre, maintenant, on va attendre encore à peu près 12 heures de temps pour qu'il foie et il refroidit complètement et on va partir au bon produit. On va attendre les frais net complètement, ouais. Sinon, il casse ça. Disons, moi, quoi, on va partir quand il arrive à peu près 100 degrés. Maintenant, à ce moment-là, il est dangereux pour nous tirer l'île au 100 degrés. Donc, quand vous faites de la poterie, vous avez beaucoup de patience. Donc, quand on me demande d'affaires pour cuire aussi, ben, on attend un petit peu plus et on tient un produit qui aussi va pas vous casser. Parce que si on veut vendre, on doit être sûr que ce qui on peut vendre, on commence par prendre bon la terre, on suit toutes les procédures qu'il faut. Parce que quand on fait un objet, on finit faire les. Vous devez laisser le sec complètement. Si vous ne laissez pas le sec, il est capable de ne pas éclater dans le four, mais quand vous l'avez servi, il va éclater. Donc, vous devez laisser bien, bien sec ou attendre une semaine, deux semaines, ça qu'il est demandé. Quand il est bien sec, à ce moment-là, vous êtes capable de mettre dans le four. Quand un client vient prendre ça, ben l'objet là avec vous, mais comment tu le fais pour cette cuisson là-dedans? Et combien de temps ben la faire les cuissons dans l'objet qui ben la vient prendre avec vous? Alors moi explique comment cuisson passer quand nous servit ce manustensile là. C'est un manustensile qui est bien pratique pour servir. Que ce soit une tagine associée avec manger marocain, mais qu'il y ait un clépot. Il est pareil, il fait le même travail. Quand il est dans un ustensile en argile, il fait le même travail. Donc pour commencer, une fois qu'on a acheté, on va laver bien et après on met le trempé. Pour la première fois qu'on peut servir, on met le trempé 12 heures dedans. Après on tire, on souille et on passe un petit peu de l'huile à l'intérieur, légèrement. Et après, on met tout au bon d'affaires qui ont envie de cuire, qui ont envie de prendre la viande, ou on met un peu d'épices, on met tous les légumes, et ça. Et on ne pas mettre de l'eau, on met un petit peu de l'huile. Dans ce type de cuisson-là, il cuit dans ce jus. Donc, on ne pas ajouter beaucoup de l'eau, on ajoute un petit peu de l'eau. C'est de l'eau qui est dans les légumes, dans la viande et tout. Les pour condenser et les retourne dans le récipient et les pour cuire là-dedans même. Donc, vous avez un manger qui a un autre goût, qui cuit très lentement et qui cuit dans ce jus. Donc, vous mangez, il est vraiment différent. Il est beaucoup plus bon pour la santé. Il garde tous ses bonnes vitamines et ses bonnes sels minéraux du fait qu'il vous met moins de sel quand vous cuit là-dedans. Donc déjà, on met moins de l'huile, on met moins de l'eau, on met moins de sel. Donc c'est déjà un bien bon pour la santé. Ici à Maurice maintenant, on peut produire des banpo en clé. Est-ce qu'il est déjà depuis longtemps ça, madame? Et qui est le pays qui vous connaît ben, le service à ben produire? Je trouve ben morceau de peau ou ben ustensile de cuisine qui date de 14 000 années avant Jésus-Christ en Chine. Après, on retrouve aussi en Inde, dans ma civilisation, comme Mohenjo-Daro. On trouve en Égypte, on trouve aussi au Mexique, on trouve en Argentine, dans tout ça, partout côté dans ma grande civilisation, on trouvait mon peau. Qu'ils ont tu peux cuire là-dedans ou bien tu peux garder de l'eau là-dedans, mais qu'ils ont tu peux servir dans la vie courante. Et donc ici même là, nous avons un pot qui date de 100 ans.
c'est un pot qui sort aussi en Inde que tu peux garder de l'eau là-dedans. Et même garder de l'eau là-dedans, il y en a beaucoup aussi des avantages. Il garde ou de l'eau frais. Et comme c'est l'argile, c'est une matière inerte. Donc, il n'y a pas besoin au goût de l'eau, il n'y a pas besoin de mettre dans le plastique ou quoi, il y a besoin vraiment ce goût. Donc, on gagne déjà un de l'eau bien frais, un de l'eau qui a un bon goût. Licence aussi pH de l'eau, il fait l'ivine alcalin qui est bien bon pour la santé. Et ben, de l'eau là, il est vraiment différent. C'est un de l'eau vivant, c'est un de l'eau qui respire. Donc, c'est pourquoi man là tu peux garder là-dedans et assez aussi je te garde. Tu appelles ça quoi, une gargoulette, non? Oui, tu peux appeler ça gargoulette. Est-ce que man Mauricien peut commencer à adapter les autres avec ce qualité produit là? Il y a beaucoup de Mauriciens qui pas encore comme ça man produit là. Il y a man des monde qui disons ils voyagent, ils allent dans les autres pays, là ils cliquent sur produit là, donc le plus facile pour eux autres. Pour acheter libre, parce que je connais déjà qui vend l'avantage de ce produit-là. Mais Mauricia, je suis encore, ça, je trouve fragile, je trouve li, ça. Mais bon, je crois que si je goûte qui cuit là-dedans, là, je trouve la différence. Je suis capable de cuire n'importe quoi, je suis capable de cuire du riz, ou dalle, ou lentilles, ou la viande, ou poulet, ou légumes. Ou capable de cuire n'importe, même du pain ou capable de faire là-dedans, rôti aussi ou capable de faire là-dedans, il vient très très bon que ce soit au four ou au gaz. Oui, comment vous faites au marketing, madame? Bon, pour le moment, le marketing, on a une page Facebook, on fait le salon de la maison, on fait un autre la fois aussi Vivi Canada, donc petit à petit, il peut passer. Le marketing aussi, il coûte cher, donc il n'est pas évident pour faire de grandes campagnes de marketing et ça. Même pour faire des salons et tout, pour des petites entreprises, il coûte un peu cher pour nous capables. Mais vous faites un marketing de bouche à l'oreille? Oui, bien sûr. Mais beaucoup de clients qui déjà ils prennent produit là, ben, je suis tellement content qu'ils ont dit à ça à leur famille, à leurs camarades, et voilà, donc ils continuent à bouger comme ça. Comme nous, s'il y a de nos produits, donc ils marchent à peu près comme ça. Même pour mon jug de l'eau, donc mon dimoun, ben oui, ben, je trouve vraiment il y a un avantage. Disons, un dimoun qui est dans l'asthme, il n'est pas capable de prendre quelque chose qui soit aussi de frisidaire. Hein. Mais par contre, s'il y a envie de quelque chose qui frais et qui soit l'éco pour accepter facilement sans qu'il y déclenche une crise, bah, il prend de l'eau qui sort là-dedans. Il y a un frais confortable pour son éco, donc il est capable de prendre l'eau. Vous bien content quand tu es arrivé? Moi, oui, je suis bien content. Et puis, faire de la poterie même, c'est saisir ou assiser avec ou la terre. On fait quelque chose, on fait un objet, si on dirait un enfant là, qui est un petit bébé qui peut occuper parce qu'il demande beaucoup de patience pour faire. Ce n'est pas une affaire qui va aller, ni qu'on fait vite, 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 vite. Non, c'est une affaire qui demande beaucoup de patience et beaucoup de travail pour faire. Donc, on est bien fier quand on finit, on trouve lui, même s'il y a un petit peu cabossé, il y a un petit peu. Il fait à la main. Donc, il y a tout le temps un petit défaut. Tu vois, pour gagner les millimètres près, il y a un petit bout qui est plus bas que l'autre, il peut un petit peu travers, il peut un peu descendre. Mais seulement quand on le fait et que ça, on trouve le résultat après, on dit bien bon, c'est super, c'est joli. Quand on finit cuit, nous aussi rechecker si il y en a un petit crack, un petit défaut, un petit ça. On les dit un défaut qui pour rendre le produit là pas bon, hein. Nous tirer. Il est assez strict tout le long du processus, nous peut tirer jusqu'à ce qu'à la fin, il vienne un bon produit qui nous capable de vendre et qui nous sire de la qualité. Oui, madame, vous avez un message pour dire à madame qui reste à la maison? Oui, moi qui vous dis à madame,
prends avantage à mon cours qui peut donner dans mon centre. Ça, et je pourrais prendre beaucoup d'affaires. Je suis capable de faire beaucoup d'affaires pour aider d'autres familles, d'autres messieurs, d'autres enfants. Et je suis capable d'avoir un petit peu plus l'indépendance financière. Et ben, je suis capable de profiter et faire. Et ça pour aider d'autres aussi, pour épanouir et pour être bien dans notre vie. Quand tu quittes l'école, tu vas un premier travail à une ferme. Et quel garçon une ferme? Une ferme, Femme 4. Étant fait Femme 4, mais après, là, on arrête l'école. Mais comme on arrête l'école, on a le travail à l'usine. On a le travail à l'usine. Finalement, dans l'usine, je peux rentrer 7h30 jusqu'à 5h. Mais dans l'usine, là où tu fais travail, je fais chemise. Moi, tu travailles dans section colle. Ça. Mais parfois, quand tu manques de travailler, les gens ne te le font que tes aides à la manche, parfois transfert ou avoué, comment dire, dans le fait côté les deux, tout ça. Mais il y a un moment, comment dire, que nous avons besoin à dépendre de nos camarades aussi, faire un problème de ticket, tout ça. Mais là, nous allons aller, dans mes tickets, à travers tout ça, là, qui m'ont trouvé, qui m'ont plus avancé dans ce travail-là. Et m'ont avancé dans le travail, mais là, mon pensée, moi aussi, que mon besoin plus améliorer dans mon travail, mais mon travail, tout de même, mettons 5 ans. 5 ans, là, dans mon travail, mais après, moi, je reste Suriname. Là, je reste Suriname, mais finalement, après, je suis mariée, je viens de Sainte-Croix. Là, je viens de Sainte-Croix, c'est à mon pensée que j'ai besoin d'aider ma famille. Aider ma famille pour développer mon travail, moi aussi, mon mari, en attendant, qui m'a besoin faire? Qui m'a besoin faire? Si pas moi pour lancer moi dans le côté fraîche chemise même, pour ban monsieur, ou bien aussi, mon pensée, mon capable lance moi parce qu'il commandera, commenter dorier, tout ça, ban du monde, servir tout le temps. Et là, comment décembre, comment moi pour faire décembre? Mon pensée, c'était mon besoin faire ban coussin, pour ban. Mettons, il y a du monde content, c'est-à-dire parce que aller, tout peut évoluer. Vous êtes content si vous mettez votre rideau, ça coule là. Vous êtes les autres coussins. Si vous êtes les autres tapis, une jolie couleur tapis, mais nous sommes capables. Et là, en attendant, moi aussi, mon rôde ban couleur coussin aussi, qui a les autres lilies. Parce qu'ils savent, vous êtes bien intéressés. À travers ça, il n'y a pas d'autres commandes. Mettons, traversin. Même petit traversin, même les grands aussi. Et il y a fait ce thème Noël aussi. Et là, vous venez, vous emmenez la toile. Et là, vous faites votre choix, vous emmenez la toile, Noël. Pendant un moment, Noël. Mais pendant un moment, l'année, quand vous passez votre commande de drap, et là, faites votre drap une couleur. Faites votre thé dorier aussi une autre couleur. Et là, moi, je suis bien content, comment dire, mais à travers ce monde, là aussi, comme on lance moi dans mon propre travail pour moi, je suis content parce que je suis content de sa évolution de mon travail. Comment dire, je connais pareil, comment nous est là. Un tapini, moi mettre un tapini, là moi aussi moi donne un autre idée, ça veut dire si je mets un tapini, les autres lilies, je suis capable de broder un thé dorier qui a flair, mais me trouver à travers ça, je suis bien motivée, mon client là aussi motivé, et moi aussi mon travail plus avancé, comment dire, moi gagne plein d'idées pour travail, moi gagne plein d'idées comment, parce que si moi besoin d'un client, nous capable un client aussi qui ah, mon pas content ça, madame, si vous pouvez nous l'autre. Mais nous l'autre, quand je dis où ça, nous besoin pas en colère qui fait parce que nous besoin imaginer qu'il y a une autre idée de plus qu'ils devaient de nous. Mais pareil, comme nous avons ce coussin aussi, c'est-à-dire comment là, je t'ai trouvé. Nous avons gagné ça des ces oiseaux-là, mais à travers ça, nous avons une autre idée aussi, ben, que client qui vient avec moi, parce qu'il longtemps, quand il servait coussin, il fait 6 même pareil. Mais maintenant, je ne peux pas faire 6 même pareil, nous avons une autre idée, nous avons une autre idée. La peine de mettre 6, un an, c'est plutôt 6 oiseaux. Mais qui fait, je ne pas casser sa couleur là, ça veut dire si il y a marron là-dedans, je mets des marrons, des rouges et puis d'autres oiseaux. Mais
me trouver à travers comment on commence lance ça. Ben du monde bien intéressé parce qu'ils sont venus. Je dis moi madame, donne-moi lien avec ces oiseaux là parce qu'ils gagnent des idées. Si je suis à l'astélienne l'autre place, je gagne 6 pareils. Mais moi, je suis bien content parce que si mon rôde la toile, tout le temps qu'il fait, moi fini évoluer là-dedans pour rôder, peu importe. Comment mettons l'année passée, j'ai un peu manqué la toile. Mais je retrouve moi, je suis quand même bizarre rôde la toile qui est pipe. Saute pour lui, mon travail rosile, mais mon al kerpip, mais mon satisfait quand mon al kerpip, mon trouve la toile, mais quand mon trouve la toile, mon trouve la toile là-bas, mon prend la toile, mon vini, mais mon tchabé. Ça veut dire si dans un autre magasin là, mon gagne c'est la toile la kerpip, soit pour lui, soit rosile, mon besoin trouver une couleur qui casse. Dis-moi, au commencement, c'est facile. Au travail, madame, pour choisir un tissu, tout ça, ou tout seul, vous faites quitter l'usine, ou trouver un nouveau travail à la maison. Comment c'était, madame? Il n'est pas si facile pour moi. Parce que, vous connaissez, normalement, quand je t'arrête travail à l'usine, quand je suis marié, mais je n'ai pas de travail. Je suis la case, oui, mais je peux donner son coude. Je peux donner son coude, mettons, un 4 ans, 5 ans. Mais après ça, les temps ont décidé pour lancer. Mais il n'est pas si facile parce que tout de même, si vous parlez de la toile, vous avez besoin de trouver vos finances. Et vos finances, vous pouvez aller, ou pas pour, si vous prenez la toile pour gagner tout ce man couleur là, vous avez besoin de prendre plaisir, donc vous rentrez dans plaisir magasin, mais vous avez besoin de trouver qu'à ceci pour acheter tout ce man la toile là. Mais tout de même, quand on fait des trois, mon vendredi, avec l'économie qui m'en fait, mon ramasse, vous avez dit à mon petit casse, mon commence à acheter ban la toile, ini. Je commence à prendre la toile à fleur. Les là, je commence à faire un sac à pain. Je trouve une petite chose qui lui m'a aussi besoin de dire. Tous les jours, besoin de dire comme je travaille pour lui. Mais tout le temps qu'il fait, j'ai besoin de 6 sacs à pain dans mon sac comme aller. Mes sacs à pain, là, il y a une petite chose qui est bien vendue, qui est un petit sac à pain pour les enfants. Comment on trouve ça? Nous faisons comme ça, mini sac à pain. Les là, nous faisons pour les enfants. Je te mets du pain, même comme moi, je travaille pour lui aussi, pas juste pour les enfants, parce qu'il y a une madame qui travaille dans le bureau aussi, même pour les messieurs. Je viens d'acheter ce petit sac, comme ça, je te mets bien pratique parce qu'il est lavable. Comment on gagne l'idée pour faire un sac à pain comme ça, sur broder, on a l'internet ça, ou bien on gagne 5000 euros la tête? Le premier sac à pain que je fais, c'était un monsieur qui a fait un sac à pain pour lui. Quand il passe vieux conseil, quand il passe, dites-moi, vous connaissez madame, tout quelque chose que vous faites là, pour le tissu, vous faites beaucoup de choses, mais qui fait ou pas faire un sac à pain pour moi? Et là, je dis, c'est une bonne idée ça. Dites-moi, oui madame, faites un sac à pain pour moi, parce que seulement vous connaissez, vous faites un sac qui est long, parce que moi, le supermarché, moi, là, c'est du pain. Mais comment c'est du pain, supermarché? Vous connaissez, je mets une baguette là-dedans, comment dire, et là, vous mettez sur un petit tout bien fermé pour moi, comme ça, bébé, tout ce qui va prendre dans mon sac. Mais vraiment, on fait un sac à pain pour ça, monsieur là. Après, il dit moi comme ça, vous connaissez madame, vous avez essayé de lancer ça, non? Parce qu'il est sûr qu'il peut vendre ça. Ou sûr. Mais Michelin prend ce sac à pain, mais à travers ça, là, moi, je pensais, moi, je dis, qui fait nous pas lancer ce petit sac aussi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prend pas maison aussi. Même la moitié baguette aussi. Et là, moi, je dis, oui, laisse-moi essayer, faire petit. J'espère qu'un jour, qu'il va arriver à ce niveau, qu'on vienne là avec un tapis, un coussin, un sac à pain, avec plusieurs affaires que vous faites, madame. Non. Jamais, moi, je suis dans cette idée-là. Jamais. Parce que, comme on vient avec une machine, une petite machine brodée. Comme on vient avec une petite machine brodée, mais en attendant, je dis, déjà, coude. Je dis, laisse-moi commencer à coudre 2-3 tirons pour vendre du monde. Il est là, je coudre, il y a un client pour coudre. Mais à l'époque, quand vous êtes déjà, vendre du monde commence à le pour lui, à ce tes autres linges. Mais ça, vous êtes déjà bien difficile pour moi. Vous êtes déjà dans un mois, mon gars. Ah, pas même des robes pour coudre. Mais on n'est pas capable de faire rien. Mais là, je dis, vous avez essayé de faire un coudre, c'est pas mon linge, moi. Dans mon travail, je vais comment je peux faire. Comment je peux lancer pour mon travail? Mais en attendant, quand on commence à lancer, on commence à faire mon coussin, nous avons besoin de penser qu'il nous a le devant, nous pas penser pour retourner pour derrière. Comment on fait au marketing? Moi, mon marketing, plutôt comment je travaille aux îles. Et là, comment mes clients même passer,
me cause avec eux, m'explique eux mon travail, mais c'est le principe qui tout le temps m'ouina, me dis eux eux connais, madame, même si eux pas pour prendre, mais cause tes eux guetter, me dis normalement ils pas pour faire non, ça parce qu'ils pour juste guetter. Les là mais du moment quand ils pour coster, client là ils pour guetter, me pour finir expliquer, me pour montrer les bandes coussins, comment nous casse couler là. Comment même nous avons nous tapis à fleur, nous faisons casser avec un nini, si vous êtes intéressé, comment vous faites drap ou ceci, pour montrer les autres. Vous allez vous trouver, là même si vous ne prenez pas aussi, pour moi, il n'y a pas fait rien, mais je connais, après vous pourrez retourner. Mais à travers ça, vous trouvez, mais vraiment après, le client l'a retourné. Mais pour moi, je suis bien content, vraiment, je ne peux pas trouver rien, qui ne peut pas faire moi, arrête ce travail-là, parce que ça, c'est vraiment important pour moi, parce que je fais ça avec un amour. Du moment que le client là venir il pour causer il pour dire moi faire tes affaires pour moi madame faire que moi mon vendre si gagner mon route li mais pour moi c'est un grand la joie. Oui madame, vous avez un message pour dire à madame qui reste à la maison? Ça certainement. Parce que pour que moi mon arrivé quand mon ton dit na madame dit oh mon assis bico mais mon reste dans la case. Et non je pas connais même qui côté pour assis 20 coups. Mais moi moi des autres franchement madame, sortez dans la case. Allez au moins dans le centre, au moins aussi au même council, puis donnez un coup à madame. Allons résister les autres. Monsieur, quand vous êtes sorti là-bas, vous sortez gagnant. Mais après aussi, quand vous êtes sorti là-bas, mais pas dire que vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas moyen. Il ne faut pas dire que vous moyen, il ne faut pas dire que vous n'êtes pas faire ça, parce que qui fait? Nous besoin commencer petit pour nous. Comment nous dire, pour nous arriver, hein? Pour nous gagner ce qui est grand. Mais nous pas dire seul coup comment me lancer, moi pour gagner quantité, comment me trouve pour ça madame là, comment me trouve pour les autres, mais non. Mais moi me dis autres motiver, bouger un peu que les autres, fait comment dire que les autres besoin sortir dans la case parce que madame trop stressée maintenant dans toute la case. Mais sortir trop beaucoup place fait d'un jeu de la sens maintenant. Trop beaucoup place aussi que comment vous mène council aussi nous gagne ben la force. Profitez, madame, parce que la chance comme ça, vous n'êtes pas gagné. Oui, mais après aussi, quand nous travaillons, nous si nous pouvons nous casser dans nous la main. Si nous avons envie de faire quelque chose aussi, c'est plus facile pour nous. Nous n'avons pas besoin de dépendre pour les autres aussi. Et nous faisons ça aussi pour nos enfants. Comment nos enfants, c'est-à-dire, tous parents, nous pensons, même si vous pouvez quelque chose pour vous, parce que vous poussez vos enfants pour avancer devant. Vous poussez vos enfants dans votre éducation. Mais oui, madame, pensez que vous avez besoin d'avancer devant vous aussi, et pour vos enfants aussi, et pour la case aussi, mais bien aussi.